La dernière éruption de ce volcan remonte à environ 500 ans. Mais récemment, il s'est mis à émettre de petites secousses très fréquemment. Les scientifiques en enregistrent plus d'un millier par mois. Je veux bien sûr parler du supervolcan connu sous le nom de Champ Flégréen, situé en Italie. Il y a quelques semaines, la région a été secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 4,4 avec 150 secousses en une seule nuit. Il s'agit du plus puissant tremblement de terre depuis plus de 40 ans. De nombreux habitants ont passé la nuit dans leur voiture. Et au matin, ces secousses ont été suivies d'un second séisme, un peu plus faible, d'une magnitude de 3,6. L'Italie est-elle donc en danger? Le tremblement de terre lui-même n'a pas été assez important pour causer de graves dommages, mais il a semé la panique. À l'heure actuelle, les autorités locales élaborent des plans d'urgence ambitieux. Si le pire se produit, elles devront évacuer des centaines de milliers de personnes. L'une des raisons, c'est la proximité de cette zone avec Naples, qui compte plus de 3 millions d'habitants. Les gouvernants envisagent même de payer les gens pour qu'ils quittent leur maison. Pour l'instant, les écoles restent fermées dans la région des Champs Flégréens. Les autorités allouent plus de 500 millions d'euros pour assurer la sécurité des bâtiments et des constructions. Une alerte jaune est toujours en vigueur dans la zone, où vivent 80 000 personnes. Il y a aussi la zone rouge, la plus dangereuse. 1250 maisons s'y trouvent, et toutes sont exposées à un risque sismique élevé en cas d'éruption. En outre, plus de deux fois plus de maisons seront exposées à un risque moyen. L'Italie est un pays sujet à l'activité sismique. Épouzole est une ville densément peuplée, située sur l'un des supervolcans les plus dangereux d'Europe. Les Champs Flégréens comptent 24 cratères souterrains. À côté d'eux, le célèbre Vésuve fait donc plutôt pâle figure. Oui, le volcan qui a fait disparaître la ville romaine de Pompéi de la surface de la Terre en 79 après Jésus-Christ. Cette ville prospérait près de la base du Vésuve, dans la baie de Naples. À l'époque du premier empire romain, 20 000 personnes vivaient à Pompéi. Il s'agissait de marchands, d'industriels, d'agriculteurs, etc. Le sol de la région était riche et fertile, ce qui explique la présence de nombreux vergers et vignobles. Curieusement, personne ne savait que cette terre noire était le résultat d'une éruption antérieure du Vésuve. La région était l'une des destinations estivales préférées des Romains fortunés. Malheureusement, le 24 août 79 à midi, toute cette prospérité a disparu. Le sommet du Vésuve a explosé, projetant dans la stratosphère un nuage de cendres et de pierres ponces d'une hauteur de 16 km. Pendant les 12 heures qui ont suivi, l'éruption a fait des ravages dans la ville. Des cendres volcaniques et une grêle de pierres, dont certaines mesuraient plus de 7 cm de diamètre, se sont abattues sur Pompéi. Les habitants de la ville ont dû fuir, terrorisés. Environ 2000 personnes se sont retranchées dans des structures de pierre et dans des caves, paralysées par la peur. Ils espéraient pouvoir y attendre la fin de l'éruption. Qui sait, s'ils avaient décidé de quitter la ville au tout début de l'éruption, ils auraient peut-être eu quelques chances de survivre. Un vent d'ouest a protégé la ville des premiers effets de l'éruption. Mais bientôt, un gigantesque nuage de cendres et de gaz brûlants a dévalé le versant ouest du Vésuve. Il a englouti la ville, brûlant tout sur son passage. Ce nuage dévastateur a été suivi d'un déluge de boue et de roches volcaniques qui a complètement enseveli la ville. Comme si le volcan voulait s'assurer que personne ne survivrait, un nuage de gaz toxique s'est ensuite déversé dans la ville, mettant fin à la vie des rares survivants le 25 août. Une coulée de roches et de cendres a suivi, faisant s'effondrer toits et murs et transformant la ville en un gigantesque cimetière. Lorsqu'un supervolcan entre en éruption, les conséquences sont généralement catastrophiques. Les supervolcans ont connu au minimum une éruption dont l'indice d'explosivité était de 8, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Les supervolcans sont souvent extrêmement grands et ne possèdent pas de cônes. Cela s'explique par le fait qu'ils sont généralement les vestiges de gigantesques chambres magmatiques ayant jadis explosé, laissant derrière elles une caldeira. Ces chambres sont généralement situées au-dessus de points chauds et se manifestent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol et elles finissent par éclater à la surface de la Terre. Parfois, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. C'est alors que
que d'énormes mares de magma sous pression se rassemblent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. À un moment donné, une super-éruption se produit. La plus récente super-éruption connue a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Quand je dis « récente », je veux dire qu'elle s'est produite il y a environ 26 500 ans. Un supervolcan situé sous la surface du lac Taupo a projeté dans l'air plus de 1250 km3 de cendres et de pierres ponces. Imaginez 500 000 grandes pyramides de Gizeh s'envolant en même temps. C'est dire l'incroyable puissance de cette éruption. Mais le plus fascinant et le plus déroutant dans cette éruption, c'est que le volcan Taupo ne s'est pas simplement éteint comme beaucoup d'autres. Au début, tout se passait comme d'habitude. Des tonnes et des tonnes de magma sous pression s'étaient accumulées sous la surface et la pression était de plus en plus forte. Mais une fois les premières fissures apparues et la première portion de lave sortie du cratère, quelque chose a mal tourné et le supervolcan a fait une pause. Ce n'est que quelques mois plus tard seulement que l'éruption désastreuse a secoué le sol. Des milliers de tonnes de lave, de roches et de cendres se sont envolées dans l'atmosphère. La configuration inhabituelle du lac Taupo déconcerte encore les scientifiques. L'éruption indonésienne de la caldeira de Toba, il y a 75 000 ans, a été la plus importante des deux derniers millions d'années. Les experts estiment que l'éruption a pu libérer des centaines de milliers de tonnes d'acide sulfurique, ce qui aurait même pu provoquer un refroidissement de plusieurs degrés de la surface de la planète. Mais aujourd'hui, l'impact est difficile à détecter en raison des glaciers qui ont recouvert le sol par la suite. Il existe également plusieurs supervolcans qui n'ont pas encore mérité ce nom car ils n'ont jamais produit de super-éruption. Par exemple, en 1883, le volcan indonésien Krakatoa a explosé. La puissance de l'éruption a déchiré les parois du volcan. L'eau de mer s'est ensuite engouffrée dans ses entrailles en fusion. La différence de température a fait exploser le volcan dans un bruit assourdissant. On l'a clairement entendu à 4800 km de là, en Australie. Cela a valu à l'explosion le titre de bruit le plus fort de l'histoire. Mais même si les conséquences de cet événement ont été vraiment catastrophiques, il s'est avéré qu'il n'était pas assez puissant pour être considéré comme une super-éruption. L'indice d'explosivité volcanique n'était que de 6. Il y a aussi le Mauna Loa. C'est un volcan bouclier, ce qui signifie qu'il ne produit pas d'éruption explosive. Mais sa taille fait de ce monstre un volcan extrêmement dangereux. Pour l'instant, le volcan semble en paix avec son environnement. Les équipements de recherche ne montrent aucun signe d'activité. Mais si le Mauna Loa entrait soudainement en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et les lieux les plus peuplés et les plus touristiques, comme la zone territoriale de Captain Cook, très rapidement, en quelques heures seulement. La dernière fois que ce volcan est entré en éruption, la lave a atteint la banlieue de Hilo, de l'autre côté de l'île. C'est là que se trouve l'université d'Hawaï. Heureusement, les habitants ont eu quelques semaines d'avance pour se préparer à la catastrophe. Au cours de son histoire, le Mauna Loa est entré en éruption assez régulièrement, presque tous les 6 ans. En revanche, les volcans de la Big Island ne sont pas très volatiles. La raison, c'est que ce sont des volcans boucliers. Ces volcans ont reçu ce nom parce qu'ils ne sont pas très hauts et qu'ils ressemblent à un bouclier de guerrier posé à plat sur le sol. Les volcans boucliers sont formés par une lave très fluide. Elle se déplace beaucoup plus loin et forme des coulées beaucoup plus fines que la lave provenant d'un stratovolcan, qui a une forme conique et qui est haut, comme le tristement célèbre Krakatoa d'Indonésie. Par conséquent, si le Mauna Loa entre un jour en éruption, il n'y aura probablement pas de nuages de cendres ni de tonnes de débris. C'est la lave qui sera la plus dangereuse. Le Mauna Loa étant un volcan bouclier, sa lave est extrêmement fluide et volumineuse, ce qui lui permet de s'écouler loin et vite.